le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation à mesdames et messieurs, les gouverneurs pour information, les préfets pour exécution. Dans le cadre de l'application des dispositions de la charte des partis politiques et pour la constitution d'un fichier fiable des partis politiques, j'ai l'honneur de vous informer que des missions effectueront des contrôles des partis politiques sur toute l'étendue du territoire national à partir du 10 juillet 2011. Ces missions ont pour tâche essentielle de remplir les formulaires de questionnaires élaborés à l'intention des partis politiques qui sont relatifs à leur situation juridique, à leur présence effective dans les circonscriptions administratives et à l'accomplissement de leurs rôles et missions. Elles sont ainsi composées. Pour la zone de Conakry, les cadres du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Pour les préfectures, le préfet, président. Le secrétaire général chargé des affaires administratives, vice-président. Le représentant de la société civile, rapporteur. Pour les sous-préfectures, le sous-préfet, président. Le représentant de la société civile, vice-président. Le délégué scolaire et de l'élémentaire, rapporteur. Vous me permettrez de vous rappeler l'importance et l'urgence d'une telle activité qui s'inscrit dans le cadre du respect des normes prescrites par la charte des partis politiques et du rôle que joue le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation dans ses missions traditionnelles de maintien de l'ordre public électoral. Je vous prescris la rigueur et l'urgence nécessaires à l'accomplissement correct des obligations contenues dans la présente, afin de doter notre administration d'un fichier reflétant la situation juridique de nos partis politiques. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, à messieurs les leaders des partis politiques légalement agréés, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation informe les responsables des partis politiques que dans le cadre de la constitution du fichier des partis politiques, il est établi un programme de contrôle de leur présence effective sur le terrain. Des équipes de contrôle constituées des cadres du département se rendront au siège des partis politiques pour exercer ce contrôle pour la période du 10 juillet au 10 août 2011. Le contrôle portera sur les documents ci-après. L'arrêté portant l'existence du parti. Les derniers rapports d'activité. Les rapports financiers. La liste et les adresses des membres des structures dirigeantes du parti. Le nombre de participations aux élections nationales et locales. Les suffrages obtenus par scrutin. La présence effective des partis politiques dans les circonscriptions administratives. Le siège. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation sait compter sur la compréhension habituelle et le sens patriotique des responsables des partis politiques. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a l'honneur de porter à la connaissance des leaders des partis politiques agréés qu'une mission de la Direction nationale des affaires politiques effectuera une visite de travail au siège des partis politiques du 15 au 21 juillet 2011. Au cours de cette mission, il sera procédé à la collecte des informations et à la vérification des documents relatifs aux activités des partis politiques. À cet effet, les partis politiques sont invités à se présenter à la Direction nationale des affaires politiques, sise au 4e étage de l'immeuble Frigia Base, Kaloum, quartier Al-Mamia, en vue de retirer les documents y afférents. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, avec l'appui du PNUD, organise un programme minimum d'urgence de formation en bonne gouvernance à l'intention des administrateurs territoriaux et élus locaux pour la consolidation de la paix les 6, 7 et 8 juillet 2011 dans la salle du 28 septembre du Palais du Peuple. Sont invités à prendre part à cette formation les 8 gouverneurs de région, les 33 préfets, les maires et présidents de délégations spéciales de Kindia, Boké, Pita, Lelouma, Farana, Sigiri, Lola et Kaloum. Les présidents des CRD de Kamsar, Dogol Singon, Sabadou Baranama, Timbi Madina, Nyalenzou, Daramanyaki et Dogomé.
les représentants des départements ministériels, institutions et associations ayant reçu les lettres d'invitation. À cet effet, les participants sont conviés à prendre toutes les dispositions utiles pour leur présence effective et le respect du calendrier établi.